Bonjour, mon nom est Marie-Lou de Belvédère Beauté et ceci est ma 5e vidéo. Récemment, j'ai fait une collaboration avec Madame Bonheur sur les filtres solaires et si vous êtes abonné suite à cette collaboration-là, j'espère que je vais être à la hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, je vais vous parler de produits multifonctions. Je trouve ça toujours pratique l'été, là, si on s'en va en voyage, on veut voyager léger, on veut pas amener trop de produits, d'avoir des produits qui font plusieurs choses. J'ai testé les différentes fonctions de chacun de ces gels douches-là et je vous en parle sans plus tarder. Donc, je vais commencer par le gel douche Atoderm PP de Bioderma que j'aime, que j'utilise depuis que c'est lancé au Québec il y a quelques années. C'est un gel qui, a priori, s'adresse aux peaux atopiques. Donc, évidemment, c'est sans parfum. Et ce qui est formidable, c'est que c'est antibactérien, étant donné que les gens qui font de l'eczéma ont tendance à... Ils peuvent faire, dans le fond, des crises très sévères là, suite à une prolifération bactérienne. Donc, ça s'utilise sur n'importe quelle zone du corps, visage et corps, et même les parties intimes. Moi, je l'utilise en particulier pour ça parce que je suis très fragile à ce niveau-là, puis il y a beaucoup de produits sur le marché qui ne me conviennent pas du tout, et ça, c'est fabuleux. Si j'ai la peau le moindrement irritée, très sèche, c'est le produit sur lequel je me précipite. J'en ai toujours sur le bord de ma baignoire et je l'adore. Mon chum l'utilise aussi à l'occasion, vu que c'est sans parfum, c'est pas gênant à ce niveau-là. Puis c'est ça, si on a une petite irritation, c'est le fun, ça apaise beaucoup, puis ça a quelque chose de rassurant du fait qu'il est antibactérien. Moi, je vous encourage vraiment à vous le procurer, c'est un super beau produit et ça s'utilise pour toute la famille. Là, si vous avez des jeunes enfants, c'est papa, maman, grand-papa, grand-maman, là, c'est tout le monde peut utiliser ça. Un autre produit qui est destiné aux peaux qui font de l'eczéma, pourtant j'en fais pas, mais j'adore les produits vraiment doux, c'est Exomega de Aderma, une autre marque que j'adore. Cet produit-là, je l'avais testé en gel douche et j'avais adoré l'effet assouplissant au niveau du corps. Il s'utilise aussi dans l'eau du bain, si vous voulez adoucir l'eau du bain, les bains moussants dessèchent votre peau. C'est une belle alternative, c'est hyper apaisant en même temps. C'est sublime au niveau de la peau. Ça ne mousse pas vraiment, par contre. Ça fait juste comme un effet laiteux, là, si on veut, dans le bain. Mais c'est drôle parce que c'est une huile qui n'est pas, en tant que telle, huileuse. Vraiment, au contact de l'eau, ça va vraiment faire comme une émulsion. Et au niveau du visage, ça a été ma découverte cet hiver. Moi, j'ai une peau très déshydratée, mais là, de plus en plus sèche. Et il n'y a rien qui me donnait du confort, sauf ça. Ça a été merveilleux. Quand j'ai des journées que je me maquillais légèrement, ça démaquillait même mon visage. Fait que c'est assez hallucinant comme produit pour une peau très sensible et très sèche. Encore une fois, sans parfum à vous procurer. J'ai enfin utilisé la crème lavande Uriage, qui est d'un de leurs produits fort, si je ne m'abuse, la nouvelle gamme à base d'eau thermale au Québec depuis à peu près 12-13 mois. Ce gel, en fait, c'est plus comme une crème de douche et elle s'utilise au niveau du visage, du corps. Ça, c'était vraiment excellent. Si j'avais la peau plus sèche cet hiver ou j'avais pas nécessairement de maquillage, puis je devais juste me nettoyer rapidement, c'était très pratique. Mais je l'ai essayé la semaine dernière comme shampoing et j'étais très agréablement surprise. Ça n'a pas surgressé mes cheveux. Moi, j'ai un cuir chevelu à tendance grasse. Puis j'ai un cheveu très fin, très facile à abîmer, puis très facile à alourdir. Et je n'ai pas eu ce désagrément-là. Très agréablement surprise. Il y a un léger parfum hypoallergène, celui-là. Mais ça peut être utilisé par toute la famille, dans toutes sortes d'occasions. Fait qu'un beau produit à découvrir. Le quatrième, c'est un produit québécois qui s'appelle Le Mieux. Je ne sais pas si vous connaissez cette gamme-là. Ils ont beaucoup, beaucoup de produits ménagers que je connaissais déjà. Et ma copine m'a donné ce gel douche à parfumer à l'amande et au coco. C'est un parfum tout simplement divin. Ils ont aussi sans parfum aux agrumes, sapin, lavande et pommes vertes. Puis ils ont des formats incroyables. Puis c'est... on peut aller les faire remplir après ça en boutique. Fait que j'aime le concept. Le design, c'est pas ce qu'il y a de plus attrayant, mais en même temps, moi, j'aime mieux payer pour le produit que pour l'emballage, personnellement. Et celui-là, ce qui est formidable, c'est que justement, il s'utilise comme savon à main, si vous aimez pas nécessairement l'effet gel douche. Moi, j'ai beaucoup aimé la mousse, qui en passant n'est pas provoquée par du sulfate, du lauret de sulfate, qui est l'agent moussant le plus utilisé, mais par de l'huile de palme et de coco. En fait, des dérivés, pardon, d'huile de palme, de coco, et j'étais très agréablement surprise que ça mousse autant sans sulfate. J'ai rarement vu ça.
Puis, fait que c'est ça, un beau produit. Je l'ai utilisé comme shampoing il y a 3-4 jours. Et je sais pas si vous voyez, mais mes cheveux sont encore très beaux. Je n'ai que des bons mots pour ces produits-là et ce n'est pas très cher. D'ailleurs, je vais vous marquer le prix de chaque produit dans la barre info en bas et l'endroit pour vous les procurer. Et enfin, le dernier, non le moindre, c'est une marque à base d'huile essentielle faite au Québec qui s'appelle Lotus Aroma, qui se retrouve en pharmacie. C'est fait dans le plus gros laboratoire de cosmétiques au Québec. Et j'ai beaucoup de respect pour cette gamme-là, vraiment, des beaux produits. Le gel douche, ça fait des années que je le connais. Leur nouvelle formulation, ils ont fait des gels bain et douche, dans le sens qu'on peut l'utiliser comme bain moussant, puis ça va vraiment faire une bonne mousse, et comme gel douche. Le troisième bienfait, ça va avoir l'air un petit peu exagéré par rapport aux autres qui ont littéralement comme trois fonctions, mais celui-là, ça a un bienfait sur l'esprit. Moi, je trouve que c'est quand même un bienfait intéressant. Ils ont fait des mélanges d'huiles essentielles qui vont soit apaiser, soit rendre plus sensuel, ou qui vont juste relaxer les muscles ou des choses comme ça. Fait que ça, on a vraiment comme différentes fonctions au niveau du corps et de l'esprit grâce aux huiles essentielles. Et c'est naturel à 99,5%. Ça peut être un argument aussi pour vous. Puis c'est d'une qualité absolument hallucinante pour le prix. Là. Très bon rapport qualité-prix. Fait que je vous encourage à vous le procurer, ça aussi, si vous avez envie d'un seul produit pour vous nettoyer, prendre un bain puis relaxer là, du même coup. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, faites-moi un petit pouce, c'est toujours apprécié. Puis je suis ouverte à tous vos commentaires. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye!